Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser une API avec un client C Sharp. Alors on va la créer à partir de Visual Studio en partant de rien, en partant d'un projet application console. Et donc on va d'abord rechercher une API sur le Covid-19 du coup en France. Alors, si l'on recherche Covid-19 API France sur Google, on remarque un premier lien qui vient de data.gouv.fr, qui a l'air d'être celui qui est le plus populaire. Donc voilà, coronavirus API France. Si je clique dessus, on est redirigé sur un dépôt GitHub. Et donc, on a une documentation, un README qui va nous expliquer comment fonctionne cette API. Donc ici, à l'aide d'une méthode get, donc HTTP. On peut récupérer les données globales connues à l'heure actuelle pour la France à partir de ce lien. Donc si je clique sur ce lien, on vient dans un nouvel onglet. Voilà ce qu'on nous retourne. Alors je vais zoomer un petit peu en effet. Ok. Donc on a un objet. Alors j'ai l'extension moi JSON Formatter sur Google Chrome qui me permet de mettre en forme le JSON dans mon navigateur. Donc c'est très pratique. Donc on nous retourne un tableau. France Global Live Data, et ensuite on a deux items. C'est parce que la source, vous voyez, la source est différente. On a la source du ministère des Santé et l'autre de opencovid19.fr. Ok. Donc on va continuer de regarder un petit peu ce que l'on peut faire. Donc ici on peut récupérer toutes les données de la France entière. On va pouvoir récupérer les données par département. Peu importe le département ici, c'est-à-dire que. On va récupérer les données de tous les départements, d'accord. Ok, après, avec une date, ou alors en recherchant un département. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur Visual Studio 2019, ou sur Visual Studio Code. Hein. Si vous avez du coup sur Visual Studio Code, si vous allez dessus, il vous faudra le .NET Core. Hein, SDK pour pouvoir utiliser le CLI .NET. En utilisant .NET New Console, vous arriverez du coup à créer une application de type console. Donc moi, je choisis une application console .NET Core et on va utiliser, on va l'appeler, voilà, Covid API ou ouais, Covid API. Comme ceci. Créer. Donc une fois votre projet créé, la première chose que l'on va faire, c'est eh bien, écrire un petit message, comme ça va être une application de type console, pour dire que tout s'est bien passé. On va écrire, par exemple, Covid-19 France API CLI, API CLI, version 0.1, comme une application console basique. Donc si on lance notre application, eh bien, on a tout simplement ceci qui s'affiche. On va faire un petit gestionnaire de commandes, donc avec une boucle donc while true donc qui s'exécutera du coup à l'infini et à l'intérieur de celle-ci en fait on va récupérer donc on va appeler ça commande pour le moment console.readline donc on récupère ici l'entrée utilisateur et donc si on fait console.writeline de commande on va bien voir hein, que le programme va nous retourner à chaque fois ce que l'on écrit. Test, commande, test, test. Voilà. On a donc correctement la saisie utilisateur qui est prise en compte à l'infini. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser un split d'un espace. Et on va dire que c'est nos arguments en fait qui vont prendre en compte, enfin qui vont devenir du coup ce tableau. Puisque la méthode split nous retourne un tableau de string. Si l'on fait du coup ici console.writeline args 0, on va même mettre un point d'arrêt. On va regarder du coup ce que l'on trouve dedans. Alors si par exemple on fait une commande que l'on appelle département et voilà de l'un, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a dans nos arguments du coup? On a département puis 1. Et donc il devrait du coup nous écrire
département. Et dans Args de 1, à la deuxième position de notre tableau, on aurait l'1, avec les guillemets. Donc voilà. Alors ce que l'on va faire, c'est du coup, une fois que l'on a construit ce tableau de chaîne de caractères, on va récupérer notre commande en disant que var commande égale args de 0. Alors, on devrait sans doute avoir un souci ici. Si on met des espaces, il ne se passe rien. Ok. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien regarder. Est-ce qu'il y a une valeur? Non, args, oui, il y a une valeur nulle. Ok, vide. En fonction du coup de ce qui est contenu dans commande, on va du coup, pour traiter notre variable, utiliser un switch sur commande. Donc ce qui va nous permettre, en fonction de la valeur, eh bien, de faire un certain traitement. On va pouvoir eh bien, écrire la fonction la plus simple. On va dire que on donne à l'utilisateur la possibilité de pouvoir quitter notre programme. Donc avec la commande qui s'appellera exit, on va utiliser environnement.exit avec un code de sortie du coup. Si le code de sortie est différent de 0, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Or, nous, ici, il n'y a pas eu de problème. On termine le programme correctement, donc on utilise 0. Ça va en fait envoyer une information au système d'exploitation pour qu'il interprète bien la fermeture du programme comme n'étant pas une erreur. Donc là, si j'écris test, stop, machin, il ne se passe rien. Si j'écris exit, sorti. Voilà, le programme, c'est terminé. Donc ce qu'on va faire pour commencer proprement notre programme, on va créer des constantes qui vont en fait être eh bien les URL de notre API. Donc j'ai d'ailleurs celle-ci. Alors on va prendre les données globales connues à l'heure actuelle pour la France. Donc vous copiez le petit lien ici. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de ce git dans la description de la vidéo, bien sûr. Et donc en dessous le statique, en dessous la classe programme. On va utiliser private const string global data URL égale ceci. Voilà. Ensuite, on va récupérer les données connues à l'heure actuelle pour un département précis. Copier l'adresse du lien. Private const string. Data by department URL, comme ça on sait que c'est une constante qui représente une URL. Voilà, après c'est on les nomme comme on se le souhaite. Alors je supprime la variable intermédiaire, donc enfin, le paramètre après le point d'interrogation. On veut juste vraiment l'URL de base, sans paramètre. Et une troisième URL, on va récupérer la liste de tous les départements. Hop. Private const string all departments URL avec les guillemets, c'est mieux. Voilà, on peut imaginer du coup nos trois constantes comme ceci, et on va s'en servir pour effectuer des requêtes HTTP. Alors pour effectuer des requêtes HTTP en C#, il nous faut créer un objet statique toujours. Enfin, il nous faut créer un objet statique puisqu'on va l'implémenter dans notre main. Et donc, ce sera un objet de type HTTP client. On n'oublie pas le using system.net.http, sinon cela ne va pas fonctionner. On va l'appeler client. Alors, il a besoin d'être instancié cet objet. Donc, il va falloir, en tout premier lieu, dans notre main, utiliser le mot-clé new, client égale new, HTTP, client. Alors maintenant, on va commencer par eh bien, faire notre première requête HTTP vers du coup eh bien, les données globales. On va du coup rajouter un cas à notre switch case, case global. On n'oublie pas le break. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va appeler une méthode asynchrone pour effectuer
donc de l'asynchronisme avec notre HTTP client pour ne pas bloquer eh bien, la console lorsque l'on exécute notre requête. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est créer une méthode. Alors on va la créer au-dessus. Static task get global data async par exemple. Et il nous faut rajouter le mot-clé async, sinon ça ne va pas fonctionner. En plus, il va falloir utiliser using system.threading.tasks. Et là, on essaie de souligner en vert puisqu'on n'a pas utilisé pour l'instant le mot-clé await. À l'intérieur de cette méthode, on va pouvoir du coup récupérer une réponse. On déclare du coup une variable response. Et on va dire que ça correspond à client.getAsync. De du coup, il attend une requête, une URL sur laquelle on peut effectuer une requête. Donc on va prendre global data URL. On utilise bien le mot-clé await, puisqu'ici c'est asynchrone. Donc on va attendre de récupérer la réponse. Une fois celle-ci récupérée, si jamais cette réponse contient eh bien, le code, le statut code 200, donc si la requête a bien réussi, on va récupérer dans un objet data, data égale string.empty à la base, var. Donc on crée un objet data qui à la base est vide. Si jamais notre réponse, on récupère une réponse dans cet objet, dans cette chaîne de caractères, on va du coup lui passer le contenu, donc le content de notre réponse, que l'on va lire en tant que chaîne de caractères, avec la méthode read as string async. Alors quand c'est asynchrone, hein, on utilisera toujours le mot-clé await. Et on retourne data. C'est-à-dire que cette méthode va du coup nous retourner eh bien, une chaîne de caractères. Donc il faut utiliser ici les chevrons, puisque c'est un objet générique. On utilise du coup le type que l'on veut retourner. Data étant de type string, on passe ici string. Case global, du coup. On va utiliser get. Global data async. Là, on va nous dire, attention, il y a un petit problème. L'exécution de la méthode actuelle continue avant la fin de l'appel. Envisage d'appliquer l'opérateur await au résultat de l'appel. Ici, on ne va pas pouvoir rendre notre méthode main asynchrone. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise getAnAwaiter.getResult. Voilà, c'est une façon d'exécuter une méthode asynchrone au sein du coup de notre main. Alors, ce que l'on va faire, du coup, c'est var result égale console.writeline result. Et on va lancer notre programme et on va essayer si on réussit à récupérer le contenu de notre API. Voilà, on a réussi à récupérer les données, du coup, au format JSON, hein, comme elles sont représentées par l'API. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est traiter ces données pour les afficher correctement. Il nous faut du coup installer un package. Je vais dans Projet, gérer les packages Nuget. Et j'installe le package le plus connu de l'univers .NET, Newtonsoft.json. J'installe du coup le package. Et grâce à ce package, on va traiter les données JSON eh bien, très facilement. Une fois le package Newtonsoft installé, alors on va pouvoir s'occuper d'abord de créer un modèle. Alors, je vais du coup sur son projet à droite, Covid API. Faire un clic droit, ajouter nouveau dossier, modèle. Et donc, je vais ajouter une classe. On va l'appeler tout simplement data. Donc, public classe data. En fait, cette classe va représenter notre string JSON, donc ici. Alors, on va du coup récupérer, en fait, eh bien, le code, le nom, la date, les décès, etc., les hospitalisations, les réanimations, pour du coup en faire un objet C#, et grâce à cet objet, on va pouvoir retranscrire les informations
du JSON, enfin convertir notre chaîne de caractères JSON en objet C# très rapidement, très facilement. Alors, il existe une solution sympa sur Internet qu'on peut du coup regarder. Alors, avec C# JSON tout classe, si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher en fait, eh bien, on peut du coup copier le résultat de l'API. Alors, ceci ne va pas copier le tableau, sinon il va nous dire de faire un nœud route, etc. Donc, vous copiez des accolades jusqu'avant la virgule. Et on va avoir du coup. Alors, on va prendre uniquement ce que l'on veut. Nous, on ne veut pas la source. On ne va pas prendre les cas confirmés et pad. Guéri des codes. On peut partir là-dessus. Comme ceci, sans les cas confirmés non plus au-dessus. Et source type. Voilà, ici on va être pas mal. On fait convert. Tac. Et là, du coup, voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Voici toutes les propriétés dont on a besoin. On va du coup les copier. Et on va les coller. Alors moi, pour ma part, j'aime bien lorsque les propriétés sont publiques, qu'elles commencent par une majuscule. Donc je fais le remplacement. Voilà. Donc on a nos propriétés ici. Ça correspond du coup à notre classe data. On va créer un autre dossier que l'on va appeler Utils. Et on va créer une classe Printer. Vous pourrez retrouver le code de cette classe dans la description de la vidéo. Donc là, c'est un code que j'ai retrouvé sur Internet qui va nous permettre de générer un tableau plutôt sympa du coup en C#. Vous pourrez le copier-coller de même. Maintenant, on se rend dans notre programme et du coup, on va pouvoir afficher l'autre JSON. Alors, le résultat. Le résultat ici, en fait, on va l'appeler JSON. Ce que l'on va faire, c'est du coup traiter ce JSON. On va dire que data est égal à. Alors, on va regarder bien correctement ce que l'on a ici. Voilà. Ici. Donc le problème c'est qu'en fait il nous retourne un tableau avec une entrée qui s'appelle France Global Live Data. Donc je vais le copier. Et avec dedans du coup deux items. Ce que l'on fait en fait pour du coup entrer dans cet endroit, dans ce token, et récupérer le premier item, ce que l'on va faire, c'est donc utiliser un objet qui s'appelle JObject, qui est propre à Newtonsoft, donc on utilise newtonsoft.json.link. On va parser du coup le JSON. À partir de là, il a lu du coup le JSON. Si le JSON est correct, on va récupérer un objet JObject. Grâce à cet objet, on va pouvoir utiliser la méthode selectToken et on va sélectionner le token France Global Live Data. Si je fais console.writeLineData, et que je mets du coup un point d'arrêt pour tester ce que l'on a dedans. Global. Hop. Voici notre data. Il récupère du coup eh bien, tout ceci. Voilà. Nous, ce que l'on veut, c'est du coup utiliser notre modèle que l'on a créé, data. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est utiliser tout object. De. On va être obligé d'utiliser une liste, puisqu'on récupère un tableau. Donc liste de data. Et en fait, on va récupérer le premier élément. Parce que, comme ceci, ça va le faire. On utilise system.link. Donc ici, j'ai fait plusieurs. Using, hein. Assurez-vous d'avoir le using.system, system.collection.générique, system.link. Et on va pouvoir utiliser console.writeLine data point, 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 nom par exemple. Global. Voilà, donc là on récupère bien notre objet data qui du coup
a été converti en objet grâce à la méthode toObject de JObject. On le convertit en fait en liste de data et on récupère le premier élément de la séquence. Et donc maintenant, on va pouvoir afficher correctement, sous forme de tableau, notre donnée que l'on a récupérée. Ce que l'on va faire du coup, c'est eh bien créer un objet private static printer. Alors le printer, hein, c'est ce qu'on a créé dans notre dossier utils. On n'oublie pas d'utiliser du coup covidapi.utils. Covidapi.utils hein, provient du nom de mon projet, hein, de mon namespace qui a été indiqué juste ici. Donc on va pouvoir maintenant déclarer, donc instancier cet objet printer, cette classe, puisqu'on voit qu'elle a une propriété tableWith. D'ailleurs avec un T en trop, on va pouvoir faire un renommage. Appliquer. Il faut que. Voilà. Ctrl R deux fois. Je retire le T. J'applique la modification. Et ce que l'on va faire du coup, juste après l'instanciation de notre client, HTTP Client, on va du coup utiliser ceci. Printer égale new printer. Avec l'initialiseur d'objet, les accolades, tableWith égale 96. Donc c'est en fait le nombre de petits traits que l'on va afficher pour le tableau. On va pouvoir du coup maintenant l'utiliser juste ici. Il nous faut premièrement écrire une ligne. Ensuite, on va utiliser la méthode row pour ajouter du coup ici en paramètre un tableau de string qui vont donc représenter, chaque entrée va représenter une colonne. On va commencer par la date, puis la localisation. Donc pour le moment, on va mettre France. On remplacera ensuite France par une donnée dynamique, pays ou bien département. D'ailleurs, en effet, on va écrire tout simplement pays. Après décès, du coup, guéri, hospitalisé. Et enfin, réanimation. Une autre ligne ensuite pour séparer le tableau et ensuite les valeurs avec la méthode raw. Donc là on va directement retourner notre modèle et utiliser correctement les types. Ces types là. Vous devrez donc avoir tout sous forme de chaîne de caractères sauf date qui sera en datetime. Pourquoi datetime? Pour en fait eh bien, utiliser la propriété toString donc d'une datetime qui va nous permettre de spécifier un format. Donc un format français ici. On va utiliser le format que le Visual Studio nous propose. Ici, on a donc les jours entre 0 et 31 avec double D en minuscule. Si on prend les deux M en majuscule, on aura les mois compris entre 1 et 12, 0, 1 et 12. Et les 4 Y correspondent aux années à 4 chiffres. Donc on a ceci pour la première colonne. Ensuite, on va utiliser eh bien le data.nom, la propriété nom, la propriété décès, la propriété guéri, hospitalisé, et enfin réanimation. Et une line pour compléter la fin de notre tableau. Et on va pouvoir du coup essayer ceci. Avec du coup notre commande qui s'appelle France. Voilà, et j'obtiens du coup un affichage correct de mes données. Donc hein, la table width de 96, ça correspond en fait à 96 petits traits ici. Donc maintenant, on va s'occuper des prochaines commandes. Et pour ce faire, eh bien, on ne va pas s'amuser à réécrire notre code pour donc, le cas des départements. Va pas s'amuser à vous voyez, réécrire tout ce code de la même manière, mais en changeant le token et la constante, donc l'URL.
à partir de la méthode d'une autre méthode get département data async. Non, on va ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, on va passer ici un paramètre string request URI dans notre méthode get global data async. Et ce paramètre, du coup, ce sera en fait la constante global data URL. Du coup, l'on passe désormais dans le cas de la commande France. Si je recopie du coup ceci, on devrait utiliser all departments URL pour le cas de notre commande département. Alors là, vous voyez qu'il y a un problème puisqu'on ne va pas pouvoir déclarer plusieurs fois notre même variable. Et de même, ceci, on va l'utiliser plutôt dans une autre méthode. Juste en dessous de notre mail, alors je vais le, voilà, le cacher. Static void, static async, task run async. Donc cette méthode générique va nous permettre eh bien, de lancer nos requêtes, nos commandes. On va donc passer ici request query. Notre JSON, ça va être du coup ce qui est ici. Hop. Alors pareil d'ailleurs, on va renommer ceci. On n'a pas besoin de préfixer data de global. Et maintenant c'est générique, donc c'est juste get data async. Donc ça on va le retirer de toute façon. Get data async. On part du coup du même principe. On va faire un switch. Alors, un switch avec un paramètre, ça va être mieux. Tac. Default break. Et donc, ça va être un switch par rapport à notre request UL. Ensuite, il nous faut eh bien, traiter notre donnée. On va la traiter ici. JSON. Ah oui, await, forcément. Sinon, on va avoir un souci, c'est une méthode asynchrone. Ce que l'on peut déjà écrire, c'est dans le cas défaut, donc dans le cas où on n'a pas pris en charge l'URL, on peut marquer qu'en fait, une erreur s'est produite durant l'exécution de la requête. Puisque ça peut être vrai, on ne prend pas en charge l'URL, donc forcément, on va renvoyer un message d'erreur. Ensuite, dans le cas où on aura du coup utilisé Global Data URL, on va faire quelque chose. Dans le cas où on aura utilisé notre autre URL Data by Department, par exemple, on va mettre ça à la ligne. Et notre troisième cas qui consiste à utiliser All Department URL. Ici, en fait, on va utiliser ce switch pour afficher nos données, donc pour utiliser ce printer. On peut maintenant du coup supprimer tout ceci. Donc case France run async.getAwaiter.getResult. On utilise toujours du coup global data URL. Et on ne retourne rien. Donc voilà ce que l'on écrit. Ici, on va faire de même. Ici, lorsque l'on passe département, on utilise du coup notre constante all departments. Et on verra le cas particulier du coup de notre troisième commande département avec ensuite avec un paramètre du coup pour spécifier le nom du département. On va donc vérifier ah oui, le token aussi effectivement. Je viens de voir ça. Il nous faut aussi passer en paramètre le token, puisqu'il va être différent pour les autres. Alors. Ici, du coup, on va passer token. Alors, on pourrait même faire ça encore mieux. Du coup, en réalisant aussi une constante, constring global data token égale celui-ci. Voilà. Et si on vérifie, du coup, sur le GitHub, tous les départements confondus ici.
le token s'il s'agit de celui-ci. Et nous retourne les mêmes propriétés que ce que l'on a défini dans notre objet data. On va créer un token à une constante, private const string all departments token égale ceci. All departments token. Voilà. On va retirer le first de la ligne 75, donc var data jobject. Pourquoi? Parce que on va traiter tout notre tableau dans le cas où l'on affichera toutes les données de tous les départements. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser des méthodes différentes ici pour nos trois cas. Alors, static void. Print global data qui va du coup avoir en paramètre eh bien une liste de data qui va s'appeler data, voilà, par exemple. Dans ce cas-ci contre, par contre, on va récupérer le premier élément de notre liste. Et on va écrire un petit message sympa. Alors que j'ai du coup ici. Voici les données globales connues à l'heure actuelle pour la France entière. Ensuite, on va utiliser une méthode que l'on va écrire juste en dessous. Print data. Alors en fait ici, print data, ça va être l'utilisation de notre printer pour créer notre tableau. Lui, il va afficher en fait, il va afficher le tableau pour une seule donnée. Je vais du coup recopier ce que j'ai là. Voilà ce que vous devriez avoir. Le print data, on va l'utiliser du coup ici. Data. On devrait du coup l'utiliser dans le cas où l'on utilise Global Data URL. Data. Alors, on pourrait même utiliser ceci. First, juste ici. Et comme ça, on ne passe pas de liste, on passe juste un objet data. Comme ceci, voilà. Ok. Il nous reste ici à modifier dans le select token, passer le paramètre token. On va essayer du coup si ça fonctionne bien. Voici les données globales connues à l'heure actuelle pour la France entière. Donc là c'est parfait. Il faut gérer maintenant le cas de département avec un S. Donc forcément, du coup là il nous retourne nul. On va regarder du coup ce qu'il se passe. Ok. C'est juste ici qu'on a du coup le problème. Alors, il devait y avoir un problème de constante quelque part. En effet, ici. Forcément, si l'on récupère, si on n'a pas changé la constante ici, on ne va pas rendre notre paramètre, notre donnée dynamique. Donc ça devrait aller mieux maintenant. Si je récupère du coup mes départements. Ok. C'est normal puisqu'on n'a pas, on fait pas d'affichage en fait. Juste après. On va du coup pouvoir créer eh bien, une méthode, une seconde méthode, static void print departments data. Avec cette fois-ci ici une liste de données. Et ce que l'on peut faire, c'est écrire ceci. Voici les données globales connues à l'heure actuelle pour tous les départements. Et du coup, faire un for each. Var data. Data in data. On utilise notre méthode printData.
Voilà, j'ai essayé de rendre le code en fait le moins répétitif possible, même si je pense qu'il y aurait moyen d'optimiser ces méthodes. Au moins, on a une méthode qui va nous faire notre propre, qui fait notre affichage en fait, sans le répéter à d'autres endroits. Au department.url, on va du coup faire ceci et on passe notre data. Alors, on va faire un avec un S pour la logique des choses. Je renomme ma variable data. On va avoir besoin de renommer ça France. Donc, je réessaye France. Parfait. Je vais essayer du coup département. Et on reçoit du coup la liste de tous les départements avec toutes les données dans un tableau. Ok. À part que du coup notre colonne s'appelle France. Et on va résoudre ça tout de suite en créant un booléen global qui de base est à faux. Et ici, on va créer du coup var localisation égale global point interrogation. Donc on va faire un if else imbriqué, donc une ternaire. Si jamais global est vrai, alors on écrit pays. S'il est faux, on écrit département. Et à la place de France, ici, on écrit localisation. Comme ceci. Je lance du coup mon programme. Si je lance France, c'est normal, j'ai pas passé le paramètre du coup. Global ici. Alors au lieu d'écrire false comme ceci, ou true, dans notre cas ça fait true, on peut écrire global de point true. Comme ça on sait à quoi correspond notre paramètre. Voilà, comme ceci, par exemple. Alors on n'était pas non plus obligé ici de le passer, puisque de base notre paramètre vaut false. Cette fois-ci, France, pays, département. Voilà. On a bien l'affichage du département du coup dans notre tableau. Maintenant, on va s'occuper de la dernière requête, département avec en paramètre le nom du département. Donc, si on revient sur notre méthode main, notre point d'entrée, notre application, juste ici, on va gérer du coup les arguments de ligne de commande. Comme ceci. Alors, on va dire que args après var commande égale args de 0, on va lui attribuer args égale args.skip de 1.toUrray. Ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on va supprimer le premier argument. C'est-à-dire qu'en fait, la commande, on va la retirer de notre tableau. Ensuite, dans notre troisième cas, du coup, que l'on va créer tout de suite, département sans S, on va tester si jamais, eh bien, args.length est égal à 0, eh bien on va dire que le nom du département n'a pas été spécifié. Et on fait un return pour dire que le programme eh bien, s'arrête ici en fait. Si l'on essaye, département, le nom du département n'a pas été spécifié. Voilà. Si par contre on utilise département test, il n'y a pas de souci. Si je retire ça. Ok, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la même chose que les autres, mais en utilisant la troisième constante, data by department URL. Et il nous faut le token que l'on va trouver où? Ici, la data by department. C'est comme ceci. On crée du coup notre constante. Private const data by department token égale live data by department. Alors, on n'oublie pas le type string. Et voilà, on a bien du coup ici tout ce qu'il nous faut.
Alors pour gérer nos paramètres, il va nous falloir trouver un moyen du coup de les passer dans notre méthode runAsync. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un dictionnaire. C'est-à-dire qu'on pourrait gérer plusieurs types de paramètres. Si jamais vous voulez vous amuser à vous occuper aussi de la date, comme ça, on va créer un dictionnaire avec en valeur string, string, en clé string et en valeur string, qui à la base va être égal à nul, et qui s'appelle parameters. Voilà. Donc si les arguments ne sont pas égaux à 0, on va créer du coup une variable parameters. Alors, je vais mettre des petits espaces pour que ce soit plus visible. Égal new dictionary de string. J'initialise du coup mon dictionnaire avec les accolades. Je remets encore des accolades du coup pour créer ma valeur. Ici, si on regarde bien sur l'API, la clé c'est département. Département. Et notre valeur, ça va être en fait args de 0. Et ce qu'il nous faut en fait, c'est obligatoirement le R majuscule. Donc nous, ce que l'on va vouloir, c'est eh bien créer une méthode. On va ajouter une classe. String extension. On va créer une méthode d'extension qui va nous permettre d'utiliser en fait cette syntaxe. Point to title case. Cette méthode va nous permettre de rendre uniquement la première lettre d'un mot en majuscule. J'utilise du coup une classe statique, static string. On retourne une chaîne de caractères. Pour utiliser une méthode d'extension, on utilise le mot clé vis dans les paramètres. str du coup. str qui sera en fait eh bien mon mot qui utilise la méthode d'extension. str égale str.replace. Alors ici c'est un petit ajustement pour notre cas. Grâce à ceci, je vais replacer les guillemets et je vais rendre mon mot en minuscule. Puisque si dans ma console je veux écrire Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ou un mot, un département qui a des espaces, eh bien on va sans les guillemets, cela ne va pas être possible puisqu'on gère nos arguments de commande avec des espaces. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de rendre du coup en majuscule eh bien, uniquement le premier caractère de str et on lui ajoute. Puisque là, ici, on récupère que le premier caractère, lui-même, point substring de A. C'est-à-dire qu'on lui ajoute, en fait, eh bien, le reste de lui-même, sauf la première lettre. Comme ceci. Et on devra avoir ici notre département en majuscule. Avec la première lettre en majuscule. Et on passe du coup nos paramètres dans le runAsync de notre cas département. Il faut modifier un peu le comportement de runAsync. Juste avant la récupération de données, on va utiliser du coup un if. Parameters n'est pas égal à nul. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter dans la request URI eh bien, les arguments. Avec le point d'interrogation. J'ai utilisé le dollar pour utiliser l'interpolation de chaîne et pouvoir passer des variables directement dans une chaîne de caractères avec les accolades. J'utilise du coup eh bien, le premier argument de mes paramètres, point key. On pourrait même faire mieux en utilisant un for each, var parameter in parameters. On va simplement utiliser ceci. Égal parameter.value. Voilà.
Maintenant, il nous faut créer du coup, eh bien, une méthode qui va nous permettre d'afficher notre département. Print département data. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc forcément nos données suivies du nom du département. Département. Et donc ce que l'on fait, on affiche du coup ce message. Si jamais if data égale nul, on va afficher le message. Aucun département n'est trouvé avec le nom. Et pardon. Un département, on peut même le renommer nom. Voilà. Et sinon, on lance du coup juste en dessous, eh bien le print data. Alors on va essayer ça tout de suite. Par exemple, département Normandie, comme ceci. Une erreur s'est produite pendant l'exécution de la requête. Ok, on n'a pas ici déjà. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal aussi. Là, on va récupérer le nom du département en utilisant string nom. Enfin, oui, département égale rien du tout. Et donc, département égale. Quoi que non, on fait juste un parameters.try get value de département. Alors, je crois avec un D majuscule. Et on retourne ceci dans notre valeur département, dans notre variable département. Et on passe notre département ici. Qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui nous dit? Oui. Out département. Data. Data.first. Voilà. Ensuite, eh bien, le request query, en fait, comme ceci, comme il est modifié, eh bien, ce n'est plus bon, puisque ça ne sera plus égal à nos constantes. Forcément, on va avoir des soucis. On peut mettre écrire string.empty, ça fait plus professionnel, on va dire. Bien, donc là, on va créer, eh bien, une variable par phase URI égale request URI. Et ce que l'on va faire, c'est que on va du coup faire la requête avec ceci. Voilà. On peut du coup tenter de lancer notre programme. Département Normandie. Ok, si j'essaye en écrivant sans guillemets et comme ceci, on a bien le résultat. France. Département. Ok. Alors après, on va ajouter aussi dans print département data, de print data. Juste avant, c'est juste avant en fait. Ici. Voici les données globales connues à l'heure actuelle pour le département choisi. Non. Voilà. On réessaye du coup. Parfait. Donc voilà, on a appris à utiliser du coup une API de manière assez simple avec, un client C-Sharp, du coup sur les chiffres du Covid. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment la liker.
et vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications concernant mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.